Allez, robot, dépêche-toi! Impossible! Il a disparu! 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 Disparu. Oreille de chat! Disparu. Oh non! Agneau a des ennuis! Ouah! Ouf! On a eu chaud! Agneau! Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose a disparu? Oui, quelque chose d'incroyablement puissant a été volé. Mais ensemble, nous pourrons peut-être le retrouver et le remettre à sa place. Allons-y les pyjamasques, c'est l'heure d'être un vrai héros! Quelle est la combinaison, robot? Surcharge, système, surcharge, système. Bien essayé, Roméo. Tu pensais vraiment t'en tirer après avoir volé un objet sur la montagne mystérieuse? Où est le gong du dragon, Roméo? Le gong du dragon est énorme, donc il n'a pas pu l'emporter. Haha, c'est là que tu te trompes. Mouahahaha! Maintenant, le plus puissant dragon du monde est à moi! À moi seul! Mouahahaha! Quels sont vos ordres, Maître Roméo? Mouahahahaha! Oula! Regardez ça! Je suis encore plus rapide qu'un dragon! Yo-yo rapido! Hey! Yo-yo croissant! Glu-glu méga muscle! Wow! 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 Agneau, nous n'avons aucune chance contre ce dragon! Que devons-nous faire? Concentre-toi sur le maillet, Yo-Yo! Moi, je me charge de dragon! Tu attends, dragon! Attrape-la! Hé, hey, les pyjaminus! C'est gentil à vous d'être passé! Ça va être un jeu d'enfant! Hein? C'est ça que tu cherches, Roméo! Oh oh! Oh. Le gong est à nouveau en sécurité grâce à vous, les pyjamasques. Je dirais que c'est l'heure de crier. Hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas. Chut, oreille de chat. Donne-le-moi, Agneau. Je ne peux pas te le donner. On dirait qu'Agneau a des ennuis. Ninja Cat prépare encore quelque chose. Nous devons l'aider. Vite, allons à la montagne mystérieuse. Réfléchis encore, Ninjaka! L'anneau de ninjaptitude ne peut être possédé que par ceux qui s'en montrent dignes! Digne? Digne? Ah! Je suis le plus grand ninja que la planète ait connu! Prouve-le! Ce n'est pas à moi de te donner l'anneau de ninjaptitude! Mais que diriez-vous d'une petite compétition de ninja? Ah! Doucement, mon chou! Maintenant les ninjas doivent. Maintenant. Vous
méchant, Ninjaka. Ha ha! Mais je vais gagner, non? Qui est le plus grand ninja maintenant? Nous ne pouvons pas laisser Ninjaka avoir cet anneau. Oh non! Il semblerait que ça soit trop tard. Oh non! Tu n'as pas peur, Ninjaka! Non! Vous, les pigeons nuls, avez tout gâché! Allez, Bibou, rends-moi cet anneau! Glu-glu, méga, musque! Là, cela devrait te garder loin des problèmes. Au moins pendant une minute ou deux. Ah, des petites lianes idiotes, hein? Jamais elles n'auront. Je crois que ceci t'appartient. Non, cet anneau de ninja-ptitude appartient à la montagne. Mes chers pyjamasques, vous avez prouvé que vous êtes des puissants héros et des amis loyaux de la montagne mystérieuse. Merci. Oh allez, assez de courbettes, laissez-nous partir. J'ai d'autres plans pour toi, Ninjaka. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Les amis de la montagne mystérieuse. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas, Ninjaka? Il est encore trop tôt pour se réjouir, Glu-Glu. Pyjamasque, on crie Hourra! Cette nuit, on a réglé les tracas. Chut, oreille de chat. J'ai besoin de ton aide. Rassemble les pyjamasques et retrouvez-moi au portail secret. S'il vous plaît, venez vite. Anu, nous devons l'aider. Allons vite au portail secret. À ton service, Anu. En quoi pouvons-nous t'aider? C'est Ninjaka. Avec son vilain ninja zouave, ils ont réussi à ouvrir le portail magique. Et ils ont pris le contrôle de la montagne mystérieuse. Et je ne sais pas comment, ils ont ensorcelé ma flûte. Tout ce que je peux faire, c'est ça. Hé hey, Burk. Tu vois? Désolé, Glu-Glu. Mais ce n'est pas le pire dans l'histoire. Pendant que je méditais, j'ai entendu Ninjaka expliquer son plan machiavélique. Ça s'appelle la pierre d'invisibilité. Et si je parviens à la voler à la montagne mystérieuse, alors les pyjaminous ne pourront plus rien contre moi. Nous ne pouvons pas le laisser s'emparer de cette pierre. Les pyjamasques, c'est l'heure d'être des héros. Hypovision. Le voilà. Ah, maintenant ces pigeons zéro ne pourront plus jamais m'arrêter. Distrait Ninjaka. Et nous, on se faufile par derrière. Mais comment on fait s'il y a des pièges? Je m'en occupe, Bibou. Concentre-toi juste à récupérer cette pierre. Oh oh, ça sent mauvais tout ça. J'espère que ça va marcher. Waouh! Même avec ma hibou vision, je ne repère Ninjaka nulle part. Ouch! Ouch! Tu es à moi, Ninjaka! Jeté! Te voilà! Yo-yo acrobasseau! Non! Cette pierre est à moi! Je l'ai volée à la loyale! Eh bien, les pyjamasques, le gantelet du dragon est plus propre que jamais! Wow! Comme
tu peux le voir, le gantelet du dragon peut être un adversaire redoutable, Ninjaka. Pas pour moi. J'ai mémorisé chaque piège de ce passage. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, Pyjama Zéro. Pyjama Zéro crie hourra. Cette nuit, on a réglé les tracas. Hourra. Ça suffit. Descendez tout de suite de ma montagne. Tu vas devoir nous forcer à descendre. Wow. Merci les toutous. Vous m'avez donné une excellente idée. Ninja doigt magique. Tout le monde se calme. Ça suffit. On vous l'a pourtant dit. Cette montagne est à tout le monde. Pourquoi vous chamaillez alors qu'on pourrait la partager tous ensemble? Les ninjas la connaissent comme leur poche. Ils pourraient vous faire visiter. Bon, on vous a assez entendu. Ninja doigt magique. Ça leur apprendra à venir sur la montagne des ninjas. La quoi? Tu veux dire la montagne des farfelous? Suivez-les. Hors de question de les laisser s'emparer de notre montagne. On ne se laissera pas faire. J'ai une idée. Il n'y a vraiment que les pyjanouilles pour penser qu'on pourrait partager cette montagne tous ensemble. Rattrapons les farfelous. J'y suis. Presque. On a trouvé notre tanière. C'est fermé. Ne t'inquiète pas, je leur réserve une petite surprise. Tiens, tiens, mais revoilà mes petits amis à fourrure. Va-t'en, ce palais est à nous. Oui, je sais, on a tous compris. C'est la montagne des farfelous, maintenant. Et c'est avec grand plaisir que je peux vous montrer comment on entre dans votre nouvelle demeure, le palais des farfelous. Non, on va y arriver tout seul. C'est dommage, ça vous ferait gagner tellement de temps. J'ai hâte de voir vos magnifiques fourrures à l'intérieur de votre palais. Vous l'avez bien mérité. Et voilà. C'est trop super, non? Rends-nous le cristal de lune. Je ne l'ai pas. C'est vous qui me l'avez volé. Souvenez-vous. C'est parce qu'il ne t'appartenait pas. On l'a mis en sécurité. Si ce n'est pas toi qui l'a repris, qui ça peut être? Quoi? Quelqu'un a volé mon cristal de lune? S'il est entre de mauvaises mains, on est tous fichus. Mais qui voilà, la bande des pyjanouilles et la petite sorcelinette? C'est ça que vous cherchez? Roméo, tu t'es téléporté dans notre QG? Oh, tu sais, ce n'était pas grand-chose. Vous êtes trop modeste, maître. Tu as raison, robot. C'était l'exploit le plus sensationnel de toute ma vie. Bim, bam, boum. Et à moi, cristal. Non, à moi. Roméo, repose-le. Tu n'imagines même pas à quel point ce cristal est puissant. Mais si, justement. Une fois que je l'aurai maîtrisé, on ne pourra plus rien contre moi. Et je pourrai devenir le maître du monde. Génial. Maintenant, mon cristal de lune se retourne contre moi. Baissez-vous vite. Tu as fait l'école du cirque, toi? Fais attention, Roméo. Le cristal peut être dangereux. C'était juste un problème technique. Je vais essayer avec un autre gadget. Voyons ce que ça donne si je mets le cristal dans mon vapoproute. Quoi? Mais ça ne sent pas mauvais. Non, non, pas ça. Ce ne sont pas des fleurs que je voulais. Ça a l'air reptilo délicieux. Oreille de chat. Quelqu'un est bien en train de creuser en bas. Robot doit trouver le cristal de lune pour mon maître. Ah! Je me demandais si les pyjaminus allaient pointer le bout de leur nez. Roméo? C'est toi qu'on a vu voler jusqu'à la lune? Oui, j'ai simplement rajouté quelques fusées à propulsion à mon labo et hop, me voilà, sur la lune. Il ne me reste plus qu'à trouver un cristal. Grâce à ça, je pourrai rendre mes gadgets surpuissants et devenir le maître du monde. Bonne idée, maître.
Mais tu vas détruire la lune, Roméo. Ma lune adorée que j'aime tellement. T'inquiète. Je suis sûre que Robo ne va pas tarder à trouver un cristal de lune et ensuite, il arrêtera de creuser. Mais pour le moment, on continue. Hein? Ah! Plusieurs robots disent que la lune se casse de plus en plus. Je peux la réparer. Donnez-moi simplement mon cristal avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez-moi. Sauf que, la dernière fois que tu l'as eu, tu nous as enfermés dans des prisons de cristal. C'était pas pareil. Tu trouves? Moi, je n'y crois pas du tout. Moi? Glu-glu, essaie d'empêcher la cassure de s'agrandir. Bibou, empêche Robo de creuser. Je me charge de Roméo. Ça suffit maintenant. À nous deux. Oui, c'est ce qu'on va voir. Wow! Oh! Mes pouvoirs s'affaiblissent. J'ai besoin du cristal. Un chat retombe toujours sur ses pattes, Roméo. Terminé, robot, c'est confisqué. Ma belle. Oh, comment je vais faire maintenant? Salut. Oh, une invention de Roméo, ça? C'est une chouette invention pour une fois. Un mini robot tout câlin. Oh oui, il est vraiment trop mignon. Mais pourquoi Roméo aurait-il inventé un gentil robot? Ça cache quelque chose. Tu t'inquiètes pour rien. Écoute, il fait des bruits trop rigolos. C'est ça que tu trouves rigolo? Non, pas maintenant, je vous l'ai dit 100 fois. Attendez, j'entends quelque chose. Oreille de chat. On doit d'abord attendre qu'il ramène le mini-robot à leur QG. C'est à ce moment-là que j'utiliserai ma télécommande pour lui faire faire ce que je veux. C'est un piège. Roméo attend qu'on le ramène à notre QG pour le commander de loin. Et qu'il se retourne contre nous. Regardez. Attention, maître. Au secours. Je suis trop bête. Tu as tout gâché, ta ferraille. Récupère le mini-robot tout de suite. Mais il s'amusait bien avec nous. Oui, j'ai vu ça. Si on les laisse, les robots n'en font qu'à leur tête. C'est pour ça que celui-ci peut être contrôlé par une télécommande. Il fait tout ce que je lui ordonne. Assis, debout, saute. Saute, saute, saute. Pauvre petit bonhomme. J'ai enfin un robot que je peux contrôler. Pas comme cette vieille boîte de conserve. Pardon, maître. Bonjour, je suis Robette. Je ne peux pas te faire confiance à toi. Alerte, attaque. Alerte, attaque. Défense activée. Alerte, attaque.